Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur The Division 2. Alors, ceci est un jeu qui vient tout juste de sortir et je remercie Ubisoft de m'avoir envoyé une clé de ce jeu pour pouvoir y jouer et vous montrer cette vidéo, n'est-ce pas magnifico? Alors, ceci est le début de la game. J'ai créé mon personnage, il y avait beaucoup d'options de customisation et puis j'ai créé le bonhomme le plus là au monde. Mais en tout cas, j'ai tenté le coup et puis voilà, c'est ça. Donc, j'ai réglé un petit peu la configuration de mes touches et tout. Tout devrait être correct, je vous dis tout de suite. On crée notre personnage, on arrive ici, vous n'avez rien manqué. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est enquêter sur l'alerte, suivre l'agent Sanders à 60 mètres. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai joué au premier The Division, tout le Let's Play. En fait, non, j'ai pas complété le Let's Play en complet. Je crois que j'ai fait 3 vidéos sur le jeu, mais bon, en tout cas, j'ai déjà joué au jeu, mais j'ai joué hors vidéo et j'ai bien adoré le jeu, même si c'était un petit peu répétitif. Cette fois-ci, on va voir si ce jeu est magnifique ou merde, ce qui paraissait. Oh, les gars, let's go. On y va. Piperino Cappuccino. Agent, suivez-moi. Oh, ok. Oh, ouais, d'accord. J'ai besoin de renfort. Il y a besoin de renfort et on est le renfort. Let's go, Chinese. Wow. Pas pour vrai, il y a plein de gens qui sont morts, oui. Sautez par-dessus. Sautez par-dessus, let's go. Donc, à couvert. Appuyez sur C à proximité d'un abri pour vous mettre ta nana. Tant tir. Appuyez sur le bouton. Ok, vous savez quoi? Je crois que je sais. What the hell? Ah, il y avait un gros truc, c'était fou, man! Mais bon! C'est un jeu de tir! Dans un jeu de tir, on sait très bien comment tirer, n'est-ce pas? Waouh! Ces fumiers sont sur moi! Surveillez les côtés! Vous savez quoi? Je crois que je peux y aller, Rambo! Commando! Quand j'ai joué à The Division 1, j'étais sur PS4. Maintenant, je suis sur PC et je trouve que sur PC, c'est magnifique, man! Il l'a tué! Vous avez vu? Je parle pas du graphisme, là, mais je parle du gameplay. C'est plus facile de jouer sur PC. Oh! Je suis en galère, là! J'étais à côté de toi, Agent, je suis... Il faut descendre pour aller l'aider! Je comprends pas pourquoi t'es en galère, j'étais juste à côté de toi. Moi, je suis très correct, voyons donc! Gémissement de douleur. Sécurisez le périmètre! Occupez-vous de ces barricades. Demandez à quelqu'un de contacter les patrouilles pour qu'elles recherchent les traînards. Certains de ces fumiers se sont enfuis. Je m'attendais pas à une autre attaque aussi rapidement. Ça va? Si ça continue, on va devoir bouger d'ici. Allez, donnez-moi un coup de main. On n'est pas assez nombreux pour protéger tout le monde. Pas encore. Allez sur le front de mer! C'est pas possible. Mais tu veux pas sortir ton fusil d'assaut? C'est un signal de détresse. Avec les coordonnées de Washington. Mais comment c'est possible? À terre! À terre, tout le monde au sol! Quelqu'un doit rester! On peut pas abandonner ces gens ici! Faut intervenir. Si on fait rien, on est tous foutus! Allez-y! Moi, je vais faire ce que je peux. Partez! C'est moi l'héros! Puisque c'est moi le super-héros, je devrais rester et tuer tout le monde, non? On ne se rendait pas compte de la chance qu'on avait. Du café bien chaud le matin. Le wifi gratuit. Et quand tout a disparu, on a survécu. Quand les communications, les trains et Internet sont tombés en panne, on a survécu. Mais quand les pharmacies ont commencé à être pillées, et les hôpitaux fermés. L'asthme est devenu une maladie mortelle. Plus de police pour vous protéger. Vous aviez une arme? Votre voisin avait une arme?
Certains ont survécu. Notre espèce est coriace. Lorsque la société s'effondre, l'homme se relève. Mais pour la première fois depuis des siècles, ce qu'on veut devient aussi ce dont on a besoin. Face à la catastrophe, nous nous sommes entraînés. Nous avons créé de nouvelles communautés sur les ruines de la société. Nous nous sommes adaptés. Nous avons établi la nouvelle normalité. Mais il y a ceux qui ne bâtissent rien. Qui ne créent rien. Des hyènes traquant les plus faibles. Depuis, notre monde saigne. Nous ne sommes pas seuls. Quelques braves ont juré de nous protéger et de sauver ceux qui restent. Ils nous unissent. Ils nous rappellent que nous sommes un peuple. Ils sont notre bouclier, notre lumière. Mais si cette lueur s'éteint... Alors qui nous sauvera? Je serai toujours là pour vous. 7 mois se sont écoulés depuis le début de l'épidémie. Nous vivons toujours dans la peur du virus, le poison vert. Mais le vrai danger est encore là. Il attend. Tom Clancy's The Division 2! Comment j'ai fait apparaître celle-là devant moi? Je suis un génie, oui. Non, mon petit chinois vénéneux, il est un génie. Massive Entertainment à Ubisoft Studio. In collaboration with... Ubisoft, là j'ai pas pu dire le reste. Red Storm. Ubisoft Annecy. Ubisoft Leamington. Oh my god, il y a plein de gens qui ont travaillé sur ce projet, oui. Mais j'ai tellement hâte d'arriver au endgame parce que j'ai envie de jouer au PvP et surtout, au raid. Vous savez, on peut faire des gros raids à 8 joueurs, si je me rappelle bien. Ça va être un petit... Fait beau dehors. Quand on se promène dehors, il faut se défendre, hein? Oh, ok. Objectif en cours. Provenance du canal d'urgence de la SHD. Priorité flash. La base d'opération est attaquée. Les troupes ennemies ont réussi à infiltrer notre périmètre au sud. Nous avons besoin de renforts, je répète, nous avons besoin de l'aide immédiate des agents à proximité. Ok, c'est bon. J'ai lu à gauche que je peux appuyer sur G pour sortir une grenade. Ok, c'est bon, j'ai vu ma grenade. Elle était là. Bon, let's go. Ah oui, c'est vrai, on va regarder ceci. Alors, vous savez, l'interface ressemble beaucoup... ce que j'ai vu dans The Division 1, tout d'abord, il y a les paramètres. Bon, on peut y régler n'importe quoi. Progression, pour l'instant, je suis dans la mission principale. 0% en cours, d'accord. Et je vais aller à la Maison Blanche. Mon personnage, voilà. Mes armes, mes équipements. Pour l'instant, j'ai rien de wow. Vêtements boutique. En fait, ça, c'est où est-ce qu'on peut dépenser de la vraie argent pour acheter des trucs. Mais écoutez, ne dépensez pas de la vraie argent pour ces trucs-là. Oubliez ça. En tout cas, let's go! Ça serait cool si je pouvais rouler dans ce jeu comme je cours. Là, je roule pour esquiver des attaques. Ce serait tellement génial. Il est mort là. Je veux que ceux qui trouvent son corps comprennent bien qu'il faut pas venir faire chier l'hyène.
Tu vas le regretter, frère. J'ai même pas besoin de me couvrir. YOLO Rambo. Je n'ai pas peur de vous. Attends, Vector SBR 9 mm tactique. Donc, je peux appuyer sur F pour tout prendre, Z pour tout démonter, F pour examiner et tape pour marquer comme rebut. Ok. Ah, comme ça, ça. Ok, oh, d'accord. C'est bon. Donc, Oh, je croyais que je pouvais prendre un cadeau. Donnez-moi une petite seconde. Alors, laissez-moi voir quelque chose. Non, c'est bon. Peut-être que j'aurais pas déjà appuyé sur tab, hein. Mais bon, lui, il n'y a rien pour moi, malheureusement. Let's go! Je suis en train de regarder autour de moi pour voir s'il y a des ennemis. Tac. La maison blanche est attaquée. Ceci n'est pas un exercice. Je vais utiliser le pistol. C'est ça qu'il faut jouer là. Vous savez, il faut se protéger des fesses. Une division qui monte vers le nord, droit vers la Maison Blanche. Apparemment, il a fauché un groupe de hyènes et le dirige par ici. Agent, si vous nous recevez sur cette fréquence, continuez dans cette direction et prenez ces salopards par surprise. Genouillère, donc... examiner. Ah, d'accord, ça m'offre plus de protection, plus 23. Ah, ok, c'est bien meilleur, d'accord, donc... Ah, attendez, même ici, je peux choisir de prendre... les trucs, tout prendre. Voilà. Alors là, je peux l'équiper. Est-ce que ça l'équipe tout seul, selon vous? Ah, attendez, le vecteur. Ah, il est là. Est-ce que je peux le mettre là? Ah, ok, je l'ai pas débloqué l'emplacement, je pense. Alors, équiper le vecteur, ça ressemble à quoi? Ah, je l'aime pas trop, pour être honnête avec vous. on va prendre ça, voilà. Alors, genouillère, ça doit aller ici. Oh, 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 voilà, let's go! Ok, c'est bon. Ah, Ripperino pour ces bonhommes, oui. On va aller protéger un président que je ne veux pas protéger. Vous savez, Mr. T. D.T. Ce sont tous des ennemis. YOLO. Je veux voir l'effet. Oh, tu peux te faire brûler. Oh. Je suis juste en train de regarder capoter là, mais... C'est quoi? Je vais montrer à ces bonhommes c'est qui Superman! Wouh! Amigo! Je suis un super-héros! Ah, c'est un allié, oups! Je viens de voir le truc vert. Ah bad, ah bad. Je suis vraiment désolé, frérot. Je l'ai pas fait exprès. Donc, je crois que je viens de prendre une grenade. Et là-bas, il y a quoi? Est-ce que c'est du poison, le truc vert? Ah, ça a pas l'air d'être du poison. Oh! Frérot! Voyons donc! Bon ben, on peut aller dans la Maison Blanche maintenant! Qu'est-ce qu'ils sont en train d'éteindre pour vrai? Oh, nice! Nice, boys! Je me demande si c'est les vraies coordonnées pour aller à la Maison Blanche. Base d'opération. Alors le président n'est pas là. Wouh! Zone de sécurité détectée. Vous avez débarqué au bon moment. Attendez, attendez. Est-ce que je peux prendre les trucs qui sont là, les attachements? Non, je peux pas. C'est vraiment dommage. J'essaie encore rencontrer la... Merci pour le coup de main. Vous devriez aller voir Manny, le coordinateur, en haut dans la chambre bleue. Et revenez si vous avez besoin d'aide avec votre matériel. Ok.
D'accord. Donc, pour l'instant, je peux rien faire avec eux. Vous avez des objets dans votre boîte de réception. Allez voir la réserve. Ok. D'accord. Donc, c'est là la réserve, je pense. Ok. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez me dire? Livraison, aide, what the hell? C'est quoi ça? Aide. Attends. Oh! Oh, on me donne quelques petits joujoux! Je peux devenir un pompier, c'est ça? Je vais pas prendre ce truc-là pour être honnête avec vous. Je préfère... ça change juste l'apparence. Mais moi, j'aime bien l'apparence de mon petit bonhomme. Ouais, c'est ça. Alors, je vais garder mes trucs pour l'instant. Un instant, s'il vous plaît. Oh, est-ce que je peux prendre ça? Attends, déplacer vers l'inventaire. Ah. Ok, pour l'instant, je vais pas utiliser ces trucs. Ça, là, regardez, ça donne... tellement de bonus de trucs. Des cas de coups critiques plus 8%. Pour garder le pouvoir, il faut être impitoyable. Absolument impitoyable. Mais M, membre de la commission des Yens. Ça fait tellement de dégâts. Comparé à mon truc là. Attends, ça c'est quoi? Amélioration inflexible. Donc, convertis les effets visuels d'impitoyable en inflexible. Fais-moi voir ta gueule de guerrier, sergent instructeur Hartman. Ouais, je vais pas utiliser ces trucs. Parce que je préfère trouver mes armes à terre et, disons... En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quoi ces trucs-là? Compatible avec Luciole en placement? What the... Ouais, je vais pas prendre ces trucs-là pour l'instant. Ouais, on va laisser faire. Mais pourquoi il y a encore un point d'exclamation? J'ai pas tout regardé. Ah, ok, il faut que j'appuie un par un tous les items comme ça, je sais pas. Ok, d'accord. Là, il n'y a plus de point d'exclamation. C'est parfait. Ouais, ok. Moi, comprendo. Amigo, let's go! Oh, oh. F. Ça, c'est vous. Bienvenue à Washington. Je suis Manny. Communication. C'est l'alerte de la division qui vous a fait venir. Je suis content de vous voir. Je vais vous montrer à quel point on est dans la merde. Depuis que la JTF a implosé, la ville est devenue... un terrain de jeu pour les sociopathes. Il y a plusieurs factions principales, et plein de petits poissons qui récupèrent les miettes laissées par les gros. Quelques camps de civils tiennent encore le coup face à toutes ces horreurs. Mais l'aide qu'on a pu leur donner jusqu'à présent est loin d'être suffisante, surtout depuis la panne de la division. Ça, c'est Kelso. L'un des derniers agents encore en vie à Washington. Elle a été envoyée en mission prioritaire au refuge du théâtre. Vous devriez aller la voir. S'il y a quelqu'un qui sait comment réactiver les systèmes, c'est elle. Oh, et profitez-en pour vous présenter aux civils sur place. Histoire de les rassurer. Il y a un nouveau shérif en ville. Ouais, Tant que j'y pense, agent. Descendez voir l'intendant quand vous aurez un moment. Il pourra vous fournir du matériel de la division. Mettez toutes les chances de votre côté. Ok, d'accord. Vous avez gagné un déblocage de compétences. Vous avez atteint le niveau 2. Niveau supérieur, plus 10 en santé, plus 1 techno SHD, cache de maîtrise du terrain. Ok. Mais vous savez que j'ai obtenu d'autres items encore ou quoi? Ah, j'avais lu que j'avais obtenu des items. Peut-être que c'était depuis le temps. Par ici, vous m'entendez? Déblocage de compétences disponible. D'accord. Wow! Plateforme de compétences. Les compétences des agents de la division sont basées sur des plateformes de compétences dotées d'un certain nombre de variantes. Il existe en tout 8 plateformes de compétences. Ah! Débloquer les compétences. Les compétences se débloquent en accomplissant certaines missions principales. Vous pouvez débloquer les plateformes de compétences dans n'importe quel ordre. Choisissez la compétence que vous voulez débloquer en premier. Ok, d'accord. Est-ce que je peux voir la troisième? Ok, non. Je dois choisir tout de suite. Donc, impulsion. Ça fait quoi, ça? Je sais pas, tourelle, ruche, lanceur chimique, bouclier, drone, mine téléguidée, luciole. What the hell, bro? Et c'est quoi? Ah, je peux pas aller dans la section bonus et personnel, c'est en haut à droite. Ok, je peux pas le faire. Donc, vous savez quoi? Impulsion. Le premier truc de la liste. Alright, déblocage de compétences. Est-ce que je peux sélectionner ça? Let's go. Donc, choisir une compétence, maintenez F enfoncé pour débloquer une plateforme de compétences ou revenez en arrière pour en choisir une autre. D'accord. Donc,
Ça, scanner, impulsion, nécessite 1 pour débloquer. Le scanner émet une impulsion qui détecte les ennemis dans la zone environnante et indique leur position à l'agent. Ouais, ça peut être bon ça, on sait jamais qui se cache derrière un tonneau ou dans un buisson, je sais pas. Yes, on a débloqué le scanner, c'est bon, c'est parfait, c'est tigidou. Non, maintenant je fais quoi? Ok. S'équiper des compétences. Une fois débloquées, les compétences sont disponibles dans votre inventaire où vous pouvez les modifier et vous en équiper. La compétence que vous venez de débloquer a été affectée à E. Ok, donc E, c'est parfait. D'accord. Suite. Variante de compétences. Quand vous débloquez une nouvelle plateforme de compétences, vous pouvez débloquer des variantes de compétences afin d'en modifier les fonctionnalités, récupérer des technologies SHD en jouant les missions. Ok. Techno SHD en passant des niveaux ou en trouvant leur cache puis revenez à la base d'opération pour débloquer les variantes. Ah yeah, c'est bon. Bonus. Les bonus sont des avantages passifs améliorant votre personnage de diverses manières. Les blocages de bonus. On acquiert des bonus en utilisant des techno SHD lors de déblocages, importe peu. Certains bonus présentent des niveaux d'amélioration pour débloquer les niveaux élevés de ces bonus. Il faut d'abord en débloquer les niveaux inférieurs. Effet immédiat. Choisissez un bonus afin de bénéficier sur le champ de ses avantages. Une fois acquis, il demeure actif en permanence. Maintenez F pour débloquer. Ah, ok, d'accord. Donc, comme ça. Yes! Emplacement d'arme numéro 2! Nice! Recueillez plus de techno SHD en jouant des missions techno SHD en accroissant votre niveau ou en pillant des lieux renfermant des techno SHD. Lorsque vous aurez suffisamment de techno SHD, revenez ici voir l'intendant pour débloquer d'autres bonus. Ok! D'accord. Donc, il y a quoi d'autre? Réapprovisionnement, kit de protection, tatati, tatata, plus de magazines, ben, plus de chargeurs. C'est nice, c'est nice. Donc, qu'est-ce qui se passe, là? Forteresse. Les factions hostiles de DC sont fermement implantées dans des forteresses. Affaiblissez ces factions en menant à bien des missions principales afin d'accéder à leur forteresse. OK. Les milices d'habitants ont pour base les refuges. Les refuges sont des lieux sûrs où les habitants se sont regroupés afin de s'appuyer et de se protéger mutuellement des dangers de DC. Le refuge le plus proche est celui du théâtre dans la partie est de la ville. Les refuges fournissent diverses activités, dont des missions principales, missions annexes et projets. Rendez-vous dans les refuges et voyez quels sont leurs besoins. Mener à bien les missions d'un refuge débloque de nouveaux matériels et compétences. Cela améliore également le refuge et fournit à la base d'opération du nouveau personnel. Ah, d'accord. Donc, je suis ici. Si je vais aller au refuge, c'est là. D'accord. Niveau 2, 7, niveau 4, 8, niveau 17, 21. C'est juste à côté de moi. Ça fait peur, les amis. Donc, DC n'est pas aussi gros que ça. Ok, d'accord. C'est parfait. D'accord. Donc, c'est bon. Donc, nouvelle mission, théâtre. Donc, vous voulez que j'aille au théâtre, c'est ça? Ouais, et... Agent, j'ai ce que vous voulez. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Achetez-vente. Oh, yo, on est dans le caca de cheval et toi, tu me vends des trucs? Eh, frérot, vous savez quoi? Au début, ça sert à rien d'acheter des armes et équipements. Parce que je vais trouver des trucs à terre quand je tue des ennemis. Donc, oubliez ça, j'ai pas besoin de ces Merci affaires-là, de moi. Donc, donnez-moi une seconde. Je peux mettre... Et deuxième arme ici, on va prendre le vecteur, même si c'est pas très très wow, selon moi en tout cas. Ici, agent. Regardez un peu ce que j'ai en stock. Chut! Cache de maîtrise du terrain contient un objet d'équipement. Ok, un standard. Ok, comment, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouvrir? Voulez-vous vraiment ouvrir ce pack? Confirmez. Ah! Ouais, attendez, j'ai une meilleure arme, une version verte de cette arme. Ah, donc ça fait plus de dégâts. J'ai tout ce que vous voulez, agent. Dégâts à la santé, plus 5,5%. Ah, équipé, d'accord. Voilà, perfecto. Donc, je me demande si je devrais équiper deux fois la même arme. La même arme, pardon. Vector, c'est plus une arme de, comme, de courte portée. Ouais. Mais bon, en tout cas. Gants? Thank you very much. Ça, il faudrait que je le vende ou que je démantèle. Vous savez quoi? On va démanteler pour voir ça fait quoi. Tissu protecteur. Ok. Merci pour ce tissu protecteur. Donc, je crois que c'est ça qui est ça. Ouais. C'est ça qui est ça.
Alors mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.